Attention à ce Vénézuélien qui est très très fort. Il a brillé lors des qualifications Regulo Carmona. On connaît assez peu ici en Europe, mais qui a brillé lors des dernières compétitions internationales, notamment à Gand, à Sao Paulo. Il mêle parfaitement les forces et les élans. Et double arrière tendu. Oh, là aussi, c'est pile chute. Peut-être un tout petit peu moins impressionnant que Morandi, mais on verra comment le jury va réagir, d'autant plus que tous ces mouvements sont très très complets et partent toutes sur la note maximum de 10. Difficile de faire mieux. En tout cas, pour ce qui concerne Michel Boutard, la finale des anneaux, on pouvait difficilement imaginer une finale de plus haut niveau. On est pratiquement avec les tout meilleurs du monde. Ah, c'est manqué. Peut-être un japonais, et encore, ça n'est pas sûr. Et encore, ils étaient là, mais ils ne se sont pas qualifiés, donc, parce qu'il y avait plus fort que... Renouvellement de génération du côté du Japon, tout comme du côté... des Russes. Et là, ça va jouer serré, parce que ce mouvement est très très bien combiné.